Quand on dit c'est pas dans tout, on met sa bouche là, vous avez vu non? Quand on dit que c'est pas dans tout, on doit parler là. Vous avez vu non? Vous n'avez pas dit que votre bouche ne peut pas qu'elle le sent. Vous n'avez pas dit que votre bouche c'est pas porter habit ou s'asseoir. C'est ça qui est là. Quand dans la vie, toi, ta bouche ne peut pas trop qu'elle le sent, hein, comme ça, ça te fait. Ça commence à te laisser. Vous avez vu que tout vous a laissé, non? Vous qui êtes parti défendre la femme de ton bras, là, vous avez vu, non? Prochainement, vous avez fait encore. Bien de défendre. Mais vous avez chargé la femme, on dirait que vous étiez là-bas. Vous avez vu que tout laisse. Hein? Mais vous avez tiré la leçon 7. Vous avez compris que faut plus parler dans la fête des gens, des célébrités, là. Mais moi, non. Moi, non. Moi, c'est mon travail. Donc, moi, je suis encore là ce matin pour parler de ça. Vous avez fini pour vous, vous avez fini de vous plaquer sur les réseaux. C'est à mon tour. My time is come now. Donc, asseyez-vous et puis, voilà, aujourd'hui, on va parler de cette affaire-là. Essayez un générique. S'il y a un générique, balancez un qui était ici. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, oui, chaque fois je vous dis ça, ça faisait longtemps. Je vais essayer de faire des vidéos par semaine. Mais tiens, vous m'encouragez pas. Chaque fois, pour liker les vidéos, on doit vous demander pardon. Pour vous abonner, on doit vous demander pardon. Pour partager, on doit vous demander pardon. Pour commenter, on doit vous demander pardon. C'est parce que j'aime YouTube que je fais. Donc je vais faire à mon rythme. Voilà, mais si vous avez compté, rien. Bon, je fais à mon rythme. Dans ce nouvel épisode de Actualité People de la semaine, on va parler de l'affaire de Didier Drogba et sa femme. On va parler aussi du succès de Debordo Linkoufa actuellement avec son titre Jenny Bakiné. On va parler de Aboutchou National et puis on va parler de Miss Côte d'Ivoire 2024 qui nous représente actuellement, je ne sais dans quel pays, pour Miss Univers. Elle nous représente dans quel pays, même celle-là. Donc, likez la vidéo, commentez, partagez. Et puis, on est parti. Voilà. Donc, vous savez tous, tout dernièrement, ce qui s'est passé. Didier Drogba, qui était à la cérémonie de remise des prix de Ballon d'Or, tout ça. Là. Il était là-bas avec sa petite amie, sa femme de la mère. Et il y a une femme que Didier Drogba connaît, là. Une célébrité aussi. Elle passait et puis elle la versait sa robe dans le visage de la femme de Didier Drogba comme ça. De la mer. Elle la versait sa robe dans de la mer. Tu as dit qu'elle voulait emballer de la mer pour la jeter quelque part en France ou bien en Côte d'Ivoire là-bas. Elle voulait envoyer le corps de la mer en Côte d'Ivoire. Qu'il faut quitter là. Dont les gens sont venus chez Internet, ils sont sortis pour dire que mais c'est pas normal, nous toi tu traites notre belle comme ça. Notre belle c'est pas ta camarade, c'est parce qu'elle est humble. Sinon toi tu peux pas t'arrêter devant notre belle. Vous voyez non? Dont les gens commencent à défendre la belle des belles comme ça, ils ont commencé à la défendre. Maintenant moi je vous donne moi mon avis. Faut pas chercher à augmenter. C'est mon avis qui est là. Vous avez vu, non, c'est ça là qui est mon avis. C'est ça là qui est mon avis. Parce qu'au départ que j'ai vu, j'ai dit, mais attends, mais elle se prend pour qui? Pour venir truc la belle des belles. Après, je me suis dit, calme-toi, calm down, brother. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas pourquoi elle a fait ça, tu sais pas. Et puis après, quand j'ai regardé la vidéo même, je sais pas. Bon, j'ai pas eu l'intuition que. Je me suis dit que certainement elles se connaissent, tu vois. Après, le temps m'a donné raison. La belle des belles est sortie d'un dos. Je dis que je vous lis ce que la belle des belles a dit. Je vois des réactions gênantes suite au tapis rouge de ce soir à l'endroit
Il y a ce qu'elle a mis même. Elle même, hey, la mère d'Ebe, faut te revoir, tu as fait faute. Je réponds encore une fois. Je vois des réactions gênantes suite au tapis rouge de ce soir à l'endroit de mon ami Sandy et Ribet. Toi aussi, il y a ton nom, Sandy. Tu n'as pas bon comportement, Sandy. Sandy et Ribet. J'appelle à plus de bienveillance et de respect, s'il vous plaît, avec emoji divers. J'en parle. Pardon, on s'est chargé à faire des gens, mais on nous a rien demandé. Votre bouche ne porte trop qu'à leçon. Votre bouche ne porte pas qu'à leçon même. Vous ne savez pas la fermer. Tout ça là pour dire fermer là un peu. C'est ça, ça vous l'a dit. Mais ça, ça veut dire vos gueules. Vos gueules dans mon affaire, vous n'avez rien demandé. Vos gueules aujourd'hui, vos gueules demain, vos gueules après demain. Ils vous n'avez rien demandé. Ça qui est là. Ça qui est là. Mais, Tanti, c'est un petit. Il faut beaucoup te méfier. Parce que ta camarade n'a pas bon comportement. Elle n'a pas trop bon comportement. C'est vrai que. Bon. Bon. Ça, c'est mon avis de départ là. Mon avis de départ là. Ça veut sortir. Elle n'a pas trop bon comportement. Toi, c'est le jour où on dit cérémonie de je ne sais pas quoi. Tu as venu t'amuser avec ta camarade. On sait que vous êtes amis, mais c'était pas le moment. C'était pas le moment. Tu passes, tu ne peux pas passer. Et puis, de toute façon, tu regardes Drogba, c'est suspect. C'est suspect. Tu le regardes trop avec une admiration. Une admiration. Qui dit admiration dit appréciation. Qui dit appréciation dit pourquoi pas éventuellement un sentiment qui peut se transformer en amour à l'avenir. Vous voyez, non? Donc là, voilà, toi. Tu n'es pas clair, mais je vais mener cette enquête jusqu'au bout pour découvrir tes vraies intentions. Debado Likumfa connaît un succès fulgurant actuellement avec la sortie de son single dénommé Jenny Badjini. Vous vous rappelez tous, suite à la polémique qu'a fait l'annonce de la sortie de Viviane, tu m'as fait comme ça. Debado Likumfa a été fustigé par les Camerounais qui ne voulaient pas le remix de cette chanson. Selon eux, le remix ne se fait pas lorsque l'artiste est encore en vie. Debado Likumfa a donc baissé les bras, a donc jeté l'éponge sur cette affaire de remixer Viviane, tu m'as fait comme ça. Néanmoins, les internautes ont vu une vidéo de Debado Likumfa encore une fois en train de faire une improvisation. Ils ont incité ainsi Debado Likumfa à rentrer au studio et à produire cette chanson qui a donné Jenny Badjini. Donc Jenny Badjini, après plusieurs cartons sur TikTok, Debado Likumfa décida de faire sortir le clip. Le clip qui cumula plus de 2 millions de vues en moins de 24 heures. Une manière de fermer la bouche des haters. Debado Likumfa, félicitations à toi. Le peuple est fier de toi. C'est-à-dire que dans les 2 millions, maman, il n'y a pas encore regardé. J'ai pas encore regardé parce qu'en football c'est menti. Viviane était chic que Jenny Badjini. Mais on n'est pas capable de quelqu'un. On est beaucoup unis. On est beaucoup unis. Jenny Badjini. Félicitations à toi de Bordeaux. On est tellement fiers. En tout cas, moi je suis tellement fier d'être ivoirien. Je suis tellement fier d'avoir un peuple uni comme ce peuple-là. Félicitations. On te souhaite plein de succès. Il y a Miss Côte d'Ivoire qui nous représente aussi actuellement à Miss Univers. On lui envoie toutes les bonnes ondes. C'est vrai que la dernière fois dans la vidéo avec mon ami Chris, j'ai dit qu'elle ne va pas gagner. Mais bon, c'est la solidarité, c'est l'union, discipline, travail. Donc on fait comme on. En tout cas, on te soutient à fond. On te soutient à fond. Pas les filles aussi qui est vu là. Ah, ah. Mais bon, on te soutient à fond. Donc on est à fond derrière toi. On espère que tu vas amener la couronne dans le pays. Voilà, on te souhaite tout le bonheur du monde, tout le succès aussi du monde. Mais toi là, mon ami Chris aussi m'envoyait un temps les vidéos sur TikTok des candidats, genre des candidats des pays qui seront là-bas là. On t'a pas vu, on n'a pas vu quoi tu vois dedans. Moi, il lui a dit, mais il n'y a pas quoi tu vois dedans, il n'y a pas quoi tu vois dans la liste des drapeaux des pays qui vont participer à Miss Univers. Il dit, ah, toi là, tu es sûr que tu as été retenu pour faire Miss Univers. Parce que je comprends pas. Quand Chris m'envoyait toujours, il n'y avait pas Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas diamant là, quelque chose. Ah tiens. J'espère bien que tu es du bien. On te soutient pas, cadeau.
Mais tu arrives là-bas, tu vas te dire que non, madame, votre nom n'est pas sur la liste. C'est quoi ça? Pourtant, tu as déjà annoncé partout que tu seras là-bas. Les amis, ce sera tout pour l'actualité people de la semaine. Après, j'ai APS. J'espère que vous aurez plu. Si oui, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis, voilà. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo, là, je vous dis, dites-moi. J'ai envie de faire une vidéo qui avait fait sur l'histoire de José, l'histoire musicale de José, mais je ne sais pas sur quel axe je peux faire. J'ai envie de faire ça sur Didi B. Quelque chose aussi me dit de faire ça sur Imra. Mais en fait, Imra, c'est grâce à Chou, ça son Chou. Je ne connais pas Ben. C'est là qu'il est connu. Non, je ne peux pas trop faire un truc sur Imra parce que j'en sais pas un artiste que j'écoute. Mais donnez-moi des idées. Dites-moi en commentaire. J'ai envie de faire ça sur Didi B. Franchement, j'ai envie de faire ça sur Didi B. Mais est-ce que vous avez regardé, hein? Et puis aussi, il y a une vidéo sur la Star Academy qui va sortir. Est-ce que vous, mon public, est-ce que vous regardez ça? Je sais même pas. Vous êtes trop compliqué. Oh!